Monaco un match important, notre derby de cette région. Pour nous, il est important de continuer notre progression, ça va être difficile. Contre une équipe qui est toujours bien, bien placée, bien organisée, mais qui cherche aussi un peu de stabilité. On se va focaliser sur notre jeu, notre système. Ça va être bien, on a bien travaillé ces deux semaines. Et bienvenue ici au Stade Louis II pour suivre ce dernier match de la cinquième journée entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Bah c'est un classique, on le sait, un match qui à chaque fois réserve des belles émotions. Pratiquement 1000 supporters ont fait le déplacement ici à Monaco. Et une équipe olympienne qui veut continuer sa dynamique après les succès face à Nice, face à Saint-Etienne. Continuer cette marche en avant et pourquoi pas ce soir en 4 victoires, être sur le podium de la Ligue 1 après 5 journées. C'est parti, ici à Louis II, le coup d'envoi donné. Et c'est assez incroyable cette action. Alors, il y a une incompréhension, on va voir ce qui se passe. Et ce sera pourtant un pénalty, voilà. Alors, faut expliquer pourquoi Monsieur Gauthier signale un penalty. La Guider, ouverture du score pour l'AS Monaco. Bien, bon ballon pour Boulassar. Il faut attention, Boula. Il est rentré, bien fait. Le bon ballon, Wissam Ben Yedder. Et le doublé. Pour Wissam Ben Yedder, et ça fait déjà 2-0. Chanson, Germain. Allez, Dario! Et voilà! Et voilà la réduction de l'écart de Dario Benedetto, évidemment! Et c'est mérité amplement! Monaco qui menait 2-0, mais l'OM a fait le plus dur grâce à Dario Benedetto et Valère Germain, vous le voyez à l'image. On espère qu'on va réussir à maintenir le score, voire à mettre le troisième, ça serait bien. Dimitri, c'est bien fait. Allez Dimitri dans l'axe, la frappe. Superbe Dimitri Payet pour le troisième but marseillais. Servi Benedetto, peut-être un retrait, Benedetto, et le doublé de Dario Benedetto. Ah, Benedetto, il est trop chaud, il faut qu'il continue comme ça. Pour l'instant, il manque de belles choses, il faut continuer comme ça, il faut rester positif, il faut l'encourager. La réduction de l'écart, pour l'AS Monaco, qui est abattu. Attention, restez concentrés, ne pas tout gâcher. Slimani, la parade exceptionnelle. Oh, quel geste. Eh, ça y est, c'est fini. C'est fini, Marseille qui s'impose à Monaco, 4-3. Un match qui restera dans les mémoires, hein, Jean-Marc. C'est un match exceptionnel à vivre.
franchement, 3 points, c'est magnifique. Maintenant, il faut enchaîner maintenant. C'est le plus important. J'avais l'impression d'être à domicile en fait. Vu que les supporters ils ont mis le feu, j'avais l'impression d'être au Vélodrome. Mais je pense que c'est encore mieux. On verra la semaine prochaine. Make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.